Bonjour, bienvenue sur le live mobilité renforcement zen de 11h. J'espère que vous allez bien et comme tout le matin, tous les matins, on se retrouve pour un taïso zen, pour se mobiliser, pour se bouger, pour se renforcer tout doucement. Et on se fixe un petit coin, on s'installe dans un petit coin dans la maison, on s'installe confortablement, un tapis, quelque chose qui vous isole du sol, une couverture. Un petit peu de matériel également, des bouteilles d'eau pour les haltères si vous n'avez pas, on va les utiliser aujourd'hui. Un manche à balai, hop, j'ai cinq classiques, une ceinture judo ou de peignoir comme vous voulez, comme vous avez. N'oubliez pas également la petite gourde d'eau, les élastiques, un coussin, d'ailleurs on l'utilisera peut-être encore aujourd'hui. Et si vous avez le gros ballon, n'hésitez pas à le prendre et à adapter les exercices avec. Objectif de la séance, comme tous les jours pendant cette période de confinement, on reste en mouvement, on bouge tous ensemble, on garde la forme et on garde le moral. Le chat toujours en ligne pour faire les petits coucous, je vois déjà qui est là. Il y a Pascal, bonjour Pascal, Karine, Nico peut-être, Monique, bonjour Monique, Ludovic, Véronique, Odile, super, Edith, Didier et David, bah, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme et puis on va passer un bon moment ensemble. On se mobilise au maximum et on se renforce. On va commencer, vous pouvez choisir votre petite musique ou moi je vais mettre la mienne. Si vous l'entendez, tant mieux. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous placez la vôtre que vous aimez pour vous mettre également de bonne humeur. On met ça tout de suite et je reviens. David dit « Hello, bon, on est reparti au moins ensemble jusqu'au 14 avril. » Oui, David, on est encore là au moins jusqu'au 14 avril. Et si vous suivez tous les jours, et matin et soir, vous allez avoir des abdos en béton. On lâche rien. Ça va, vous êtes prêts? Allez, on commence debout, les jambes écartées à la largeur des poches, je protège le dos, rétroversion du bassin, colonne vertébrale bien droite, et j'inspire, j'étire, et je souffle. On verrouille les fessiers, les abdos, et on garde la posture. Inspire, étire encore, écarte davantage les pieds, et on va descendre et souffler jusqu'au sol, tout doucement. On va chercher sur jambe droite, allez-y doucement, on réveille tranquillement les articulations, les muscles. Et à droite, et vous changez de côté à votre rythme. Et on balaye, on remonte d'un côté, on étire vers l'arrière, on se grandit, inspire, souffle, descend. De l'autre côté, et encore. Encore une fois. Et reviens au centre, souffle. On va fléchir une jambe, étendre l'autre sur le côté.
Main au sol pour libérer le poids du corps. Et on bascule à droite et à gauche. Tout doucement, tranquillement. On revient ici au centre. On est bien en appui sur les mains, sur les pieds et on va pousser les coudes à l'intérieur des genoux pour écarter vers l'extérieur légèrement sans se faire mal. Dos bien droit. Et on relâche. Main au sol, on va passer en fente avant. On descend le bassin vers le tapis, la hanche vers le tapis. Et on change. Vous alternez à droite et à gauche à votre rythme. Et reviens ici, genoux au sol. On s'assied sur les talons, on étire vers l'avant. Et je vais pousser les épaules vers l'avant pour ramener le ventre au sol. On se redresse, on sort la tête des épaules sans creuser le dos. Et plante orteil, pousse vers l'arrière. Encore, genoux au sol. On s'assied sur les talons. On ramène vers l'avant. Inspire, redresse. Plante. Pousse. On enchaîne ces mouvements. Genoux au sol, talons fesses. Allonge, ventre au sol. On se redresse. Et encore. Échauffement vraiment en douceur des articulations du haut du corps, les muscles du haut du corps. En même temps, il y a le dos qui travaille aussi. Et les jambes légèrement, mais elles travaillent. Et on va rester en haut. Ramenez les mains au niveau des pieds. Essayez de mettre les avant-bras au sol, mais tranquillement. Si ce n'est pas possible, ne forcez pas. Et on va dérouler les vertèbres par vertèbre. Genoux légèrement fléchis. Et je remonte. Bascule le bassin à droite et à gauche. On peut rajouter les bras qui va vous aider à basculer encore davantage d'un côté et de l'autre. Restez toujours bien droit, hein. Ne basculez pas le buste ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et relâche avant, arrière. On peut faire ça sur le ballon avec le Swiss ball également. Je vous ai déjà montré sur les séances précédentes. N'hésitez pas à l'utiliser. Et rotation dans un sens. Et dans l'autre sens. Et relâche. On va mettre les bras vers l'arrière. Protégez toujours la colonne. Dos bien droit. Poussez les mains vers l'arrière et vers le bas, arrière. Pomme de main vers le plafond, bras sur le côté. Même chose, on essaie de gagner vers l'arrière encore. Sans creuser le dos, sortez pas les fesses. Hop, vers l'avant et on bloque. Contractez cette position et vers le sol, même chose. On va faire 10 mouvements vers l'avant, petite rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne sur les grands mouvements de bras vers l'avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va? Vous sentez? Ça doit chauffer là déjà dans les épaules? On va venir faire ici flexion, mais sans descendre complètement. Je remonte et je descends. C'est parti. 1. De pousser bien les fesses vers l'arrière. N'ayez pas tout le poids du corps sur les genoux vers l'avant. Poussez vers l'arrière. 3. Dos bien droit. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On va rester maintenant de face. On va faire flexion de face. Pied, largeur d'épaule. Et on descend. C'est parti. Dos bien droit. Pas d'affaissement de la voûte plantaire. On est bien sur les arêtes externes des pieds. 3. 4. Essayez d'avoir des petits pliards le plus à la verticale possible. 5. 6. Ne rentrez pas les genoux. 7. 8. 9 et 10. On va prendre un objet. Soit vous avez un gros ballon, soit un petit ballon, un ballon de votre enfant ou quelque chose, ou tout simplement un coussin. Et on va ici, même chose, pousser les fesses vers l'arrière et pousser le ballon vers l'avant en essayant d'aligner les bras et le dos. Je remonte, inspire. Et souffle, descend vers l'arrière. Inspire. Souffle. Encore. On peut faire avec l'oreiller. Inspire. Souffle. Si vous n'avez rien dans les mains, c'est pas grave. On peut faire sans rien aussi. Et encore 5. 4, 3, bien vers l'arrière, attention à vos pieds, 3, ne relâchez pas vers l'intérieur, 2, 1, et on va rester petit en bas, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche. Ça va? Ça commence bien à chauffer là normalement. N'hésitez pas à voir si vous avez besoin, à faire des pauses quand vous avez envie, quand ça commence à être difficile et que vous avez besoin de souffler, vous faites à votre rythme surtout. On va prendre la ceinture. Ici, si vous n'avez rien ou un bâton, prenez. Et on va faire rotation dans un sens. On va chercher doucement l'amplitude vers l'arrière. Doucement encore. Doucement vers l'avant. Et de l'autre côté. 2. Et 3. Et on va descendre davantage. Rotation arrière. Et j'essaie d'aller chercher main gauche, pied droit. Et je pivote et je remonte vers l'arrière, soufflez, descendez, pas forcément jusqu'au sol, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Et de l'autre côté, encore vers l'arrière, 1, 2, et 3, on libère vers l'arrière, là on peut y aller. Et relâche vers l'avant. On sort les fesses vers l'arrière. Poussez bien. Et déroule. Travaille les pentes avant. Ici. Toujours le dos bien droit. Omoplate serré. On va les faire en reculant. Je recule une jambe. Ici, jambe à peu près à 90 degrés. Je suis stable. Je contracte les fessiers, les abdos. Et je remonte. Je remonte, pas arrière. On peut avoir un objet dans les mains.
souffle, soyez stable. Bloquez fessiers, abdos. Vous pouvez également avoir un bâton dans les mains, hein, ça marche aussi. Hop, je remonte. On travaille les bras en même temps. Et la coordination du haut et du bas du corps. Allez, on tient encore 4, 5, 6, 7 et 8. On va rester dans cette position, contractez bien et on va faire petit. On reste 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Petit en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. On continue à travailler. On repasse au haut du corps. Donc je vous avais dit tout à l'heure des bouteilles d'eau ou des haltères. On va travailler les biceps. Si vous n'avez rien, contractez, fermez les poings et contractez les muscles sans rien dans les mains. C'est faisable aussi. Ok ? Allez, on prend ce qu'on a. Paquet de riz, paquet de pâtes. Ça marche aussi. Et on y va. Protégez surtout les lombaires. Je ne sors pas les fesses. Hop, vers l'avant. Et je contracte. Et les épaules fermées vers l'arrière. Même chose, attention à vos pieds. Ne rentrez pas les genoux. Pas de pied en canard, pas de pied ouvert. On reste. Vers l'avant, orteils dirigés vers l'avant et poids du corps sur l'arête externe des pieds. J'insiste énormément sur les postures, c'est essentiel. Si vous faites un mouvement 1000 fois mal, vous allez vous créer des soucis. Votre corps à un moment il va en avoir marre et il va vous dire stop. Et le message sera peut-être très fort. Donc on bouge, mais on bouge bien. C'est important. Allez, on alterne cette fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on va venir ici, pousser les coudes fléchis vers l'arrière. On travaille les triceps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on pousse plafond et on redescend. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va allier maintenant le bas du corps et le haut du corps en descendant. Flexion légère, je remonte et je pousse. C'est parti. N'oubliez pas le mouvement du squat, respectez les consignes et je remonte. Soufflez à chaque extrémité, inspirez milieu. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et encore, 5, dos bien droit, 4, 3, 2. 1 et relâche. On peut boire et on va passer à la suite du programme. On va travailler au sol, ceinture abdominale, les dorsaux et dans les positions de gainage. Non seulement on travaille la partie centrale, mais on travaille également les épaules, le haut du corps et les jambes en second niveau. Ça va toujours? On continue? On y va pour les abdos? David, t'es prêt? Allez! Ici, sur le dos, j'allonge hop, la colonne vertébrale, contact avec le sol,
Jambes à 90 degrés, vous pouvez mettre le Swiss ball en dessous ou mettre votre dos sur le Swiss ball. Et on va remonter les épaules en regardant vers le plafond. Ne cassez pas la nuque, maintenez la tête avec les mains si vous voulez. Ou les bras le long du corps vers l'avant. 3, soufflez bien. 4, 5, 6, faites à votre rythme. Si vous voulez aller plus vite, n'hésitez pas. Plus lentement, n'hésitez pas non plus. Déroulez, inspirez, soufflez. Et je vais rester en haut et poussez vers le sol les mains. On contracte, on contracte. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et je déroule. Inspirez, soufflez. On va poser les pointes de pied au sol. Bras en croix. Et on va basculer à gauche et à droite. Très bon mouvement pour le dos. En même temps, on repose un petit peu nos abdos pour la série suivante. On en fait encore 4. Je lève bien la hanche, hein, je la décolle du tapis. Une fois à gauche, hop, une fois à droite. Et reviens au centre. On va relever les épaules et on va venir chercher cheville, travail des obliques. C'est parti. 3, 4, même chose. Ceux qui sont sur le ballon peuvent très bien faire ce mouvement. Dos sur le ballon. L'idée, c'est vraiment de basculer hein, le buste à droite et à gauche pour faire travailler ici les muscles des côtés, les obliques. Encore 5, 4, 3, 2, 1, je reviens dans l'axe de la colonne et j'allonge. Ça va? On passe au suivant, ici. Cette fois, on va lever les pieds, genoux 90 degrés, bras en croix et on va descendre comme tout à l'heure, à droite et à gauche, sauf que tout à l'heure, on avait les pointes de pied au sol. C'était l'échauffement de cet exercice qui est un tout petit peu plus dur, mais vraiment pas grand-chose. Il est très bien, là on travaille le dos, excellent pour soulager les dorsaux. Et en même temps, on travaille les obliques en contrôlant la descente des genoux à droite et à gauche. Allez, on tient encore, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. On va venir ici étendre les jambes, écarter, et on va, avec la main gauche, venir toucher le pied droit que je relève. Dos complètement au sol, et si c'est facile pour vous, on peut relever le buste. Hop. On va chercher. Soufflez bien en remontant. Ne vous faites pas mal. Si c'est difficile dans cette position, on redémarre dos au sol et on décolle uniquement épaule droite puis épaule gauche. Soufflez bien. Encore. 4. 3. 2. 1. Et relâche. On étire. On pousse les murs, on pousse les canapés. Et relâche. On va venir ici. Ramenez genou droit contre poitrine. Et poussez, poussez bien la jambe qui est au sol le plus possible vers le fond. Vous allez ici détendre votre dos en faisant ce mouvement. Enfin, vous voyez une différence entre ici quand je la remonte là. Ma hanche se lève presque, enfin mon dos se creuse, alors que si je pousse, là, vous êtes bien. Et vous avez les lombaires relâchés. Je ramène. Et on va tendre. Essayez de ramener vers soi avec la jambe tendue
et j'ai entendu aussi au sol. Et relâche. Si vous voulez vous aider d'une ceinture ou d'un élastique, n'hésitez pas, hein, c'est la même chose. Je viens ici et je ramène. Ça peut aider à la place des mains. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge d'abord celle-ci. Je pousse vers le fond, pied flex. Je pousse. Je libère le dos et je ramène celle-là contre moi. On tend. On ramène avec les mains ou avec ceinture, élastique, ce que vous avez qui vous permet de contrôler avec les mains votre jambe. Et je ramène doucement, sans se faire de mal. Soufflez. Et relâchez. Ça va toujours? On va passer à la suite. Mobilité vertébrale. Tout simplement, je vais venir rouler au sol. Poser les genoux au niveau des oreilles et relever, rester. Si vous arrivez à ne pas toucher les pieds au sol, c'est super. Si vous devez poser pour rectifier l'équilibre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'idéal, c'est je ne touche pas, je roule et je reviens. Dos droit. On essaie de restabiliser la position en étirant les omoplates vers l'arrière. Encore. Hop, et je reviens. Allez, encore trois. Et relâche. On passe debout pour changer un petit peu. Et puis on reviendra au sol pour quelques exercices de dorsaux et pour le gainage. On va passer à un petit épisode de cardio, réveil cardiovasculaire. On se met en mouvement, on bouge un petit peu. Vous allez à votre rythme toujours. Et puis après, on passe au renfort du gainage. Je vais changer un petit peu ma musique. C'est bon? Allez, au trottine. Alors, je vois, il y a Vincent qui a mis un commentaire. Vincent B, bravo Anso, Vincent Souvenir, que du bonheur ces exos. Est-ce que tu peux pas mettre Vincent un autre détail qui me permette de t'identifier? Parce que des Vincent, j'en connais pas mal, Vincent B un petit peu moins, mais c'est Souvenir qui m'intrigue. Allez, on bascule à droite, à gauche. Et on bascule, bassin, droite, gauche, les pieds joints. On rajoute les bras. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Piétine sur place, en rapide, avec action des bras, on va faire 5, 4, 3, 2, 1, et dans la longueur, ici, je vais avancer et reculer, clac, 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 c'est parti. Encore, vous faites des entrées et des sorties de tapis, si vous voulez vous donner un repère, ou vous placez une ceinture au sol, devant, derrière, encore, et relâche. On va venir ici maintenant, en décalé, jambe droite avant, c'est jambe gauche derrière, hop. Et en latéral. Petit saut, ça sert à rien de faire les fentes. Et encore. Ok, relâchez. On va passer ici. Genou, coude opposé, on remonte.
On travaille les abdos en même temps. Go! Et de l'autre côté. Ok, on va faire pied, main opposée vers l'arrière en fléchissant légèrement. 4, 5, 6, 7, 8, on alterne. Gauche, droite, arrière, arrière. Gauche, droite, arrière, arrière. Encore, 3, 2, 1. Et reviens ici, de face, légèrement fléchi. Je vais, comme si je voulais les poser vers le sol, si je peux tant mieux, sinon c'est pas. Légèrement fléchi, je vais, comme si je voulais les poser vers le sol, si je peux tant mieux, sinon c'est pas grave. Dos bien droit par contre, et on remonte, on ferme. C'est parti. 3, 4, à votre rythme. Hein. Surtout, 7. 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1, et ici, on va venir monter et serrer les bras au corps. Je monte, je ferme. Jumping jack, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas chassé, tout simplement, main gauche sur pied droit. Le pied gauche vient coller le pied droit et le pied droit chasse sur le côté. C'est parti. À votre rythme aussi, vous pouvez faire rapide. Vous pouvez faire tranquillement, lentement, même sans sauter. Encore, encore, dos bien droit, corrigez la posture. Et 4, 3, 2, 1, et relâche. Soufflez, dernière petite série cardio. Vincent, j'ai vu un... Camille? Oui. Tu me dis, Vincent, ce qu'il t'avait dit? Non. Je vois le message supprimé par Camille. Il avait juste donné un lieu. Ah, ben, je l'ai pas, je peux pas deviner en fait, du coup. J'ai pas le lieu, c'est du judo, Vincent? Non. Ici. Flexion. Ah, ça y est, ici, je saute à droite et à gauche. Sauter. C'est bon, j'ai compris. Salut Vincent. Ça remonte, ça date, c'est ça? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 4, 3, 2, 1, et relâche. Allez, on peut souffler, on peut marcher, on peut boire. Tout va bien? Expire, retire, tu retires. Inspire, étire et souffle, va vers l'avant. Déroulez, inspire, étire, et encore, relâche, et souffle. On va ramener ici, les épaules vers l'avant, ventre au sol, et on va travailler les dorsaux. Alors, je vous propose des degrés différents pour travailler les dorsaux. Déjà, première chose, ne creusez surtout pas le dos. On va planter le pubis dans le tapis, les hanches dans le tapis. Plantez vraiment, plantez, contractez les fessiers et joignez vos chevilles. Elles se touchent.
Une fois que vous avez cette position, donc le bas du corps travaille. Une fois que vous avez cette position, vous allez. Premier niveau, je mets les mains au sol et je remonte sans pousser, sans vous appuyer sur les mains, sinon ça ne sert à rien. C'est vraiment ici le haut du dos qui doit relever, qui doit se contracter, remonter. Ici, et je descends. Inspire, souffle, je remonte avec les mains posées, mais je ne m'appuie pas. Hein. C'est le dos qui travaille. Et je souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Ça, c'est niveau 1. Si c'est facile, on va décoller les mains du sol et remonter ici. Et descendre. Inspire. Souffle. N'oubliez pas de contracter, de planter les hanches dans le sol, de joindre les pieds. Soufflez, inspirez. Soufflez, décollez. Remontez. Et descendez. Encore. Souffle, remonte, contractez bien. C'est en haut que ça se passe. Et je descends. Et si vous voulez mettre les mains sur le côté, et remontez, descendez. Encore. Et sur le ballon, on peut faire aussi. Ventre sur le ballon, j'épouse la forme du ballon et je remonte. 3, 4. Et 5. Je tiens en haut si c'est possible. On tient, on tient, on tient. Et si vous avez de la place, moi je vais décaler un peu. Ici, je vais ramener les mains vers l'avant et faire petit battement des pieds et des mains tendues. Beaucoup plus difficile. Si c'est trop dur, vous passez à l'exercice précédent. Hein, vous revenez sur ce qu'on a fait juste avant. Vous continuez à monter et descendre tout doucement en soufflant. Et ça, ça viendra plus tard. Ça viendra. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, relâche, pousse les bras vers l'arrière, remonte et souffle. On étire les mains vers l'avant, les jambes vers l'arrière, soufflez, soufflez. Et relâchez. On remonte. Assis sur les talons, on étire vers l'avant, on relâche le dos. Ventre au sol, je redresse sans creuser le dos. Je pousse pour me redresser, j'étire les abdos. Et relâche. On passe à notre petite séquence de gainage. Et aujourd'hui, j'ai pris un chronomètre, puisque comme on est encore ensemble... un bon moment, vous allez pouvoir voir vos progrès. On va essayer d'allonger les séries. Donc, jusque maintenant, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine qu'on est ensemble, on fait des séries de 30 secondes. On va essayer de dépasser ça et de se fixer un objectif à 40 secondes. Pour certains, ce ne sera pas compliqué, ce sera même très simple. Dans ce cas-là, cela, vous mobilisez, vous faites du gainage actif. J'ai déjà expliqué hein, dans d'autres séances, dans des séances précédentes, ce que l'on pouvait faire comme exercice. Je vous remontrerai éventuellement. On essaie de faire aujourd'hui encore 3 séries de 40 secondes. On essaie ? Donc toujours les moments importants du gainage. Je pousse les fesses vers l'avant pour faire une rétroversion du bassin. Je contracte les fessiers, je contracte les abdos, j'aligne oreilles, épaules, bassin, cheville. Mains sous les épaules ou avant-bras sous les épaules, ici les coudes. Et je contracte comme je vous ai expliqué. Et surtout pas de creux lombaires, mais si vous contrôlez les fessiers, les contractez, il n'y aura pas de creux lombaires. Et pas de montagne non plus, sinon ça ne sert à rien. Cette position, vous pouvez l'alléger. La rendre moins difficile en posant les genoux. C'est possible aussi à condition de ne pas venir ici, sinon ça ne sert à rien non plus. Ok ? On y va ? Alors, on a dit 40 secondes, il y en a qui sont peut-être déjà partis, on y va, si vous voulez, et moi, sinon je lance le but pour les 40, c'est parti ! Regardez devant vous, ne cassez pas la nuque, et contractez fermement. Je renforce le tronc, je renforce toute la partie centrale du corps. Pour protéger le dos et essentiellement les lombaires.
en préventif pour ne pas avoir de douleur, ou si elles sont déjà là, pour les effacer. Ça, c'est un exercice essentiel. On travaille en isométrie, c'est-à-dire en contraction d'un muscle ou d'un groupe musculaire. Et relâche. Déjà 40 secondes de passé. Ça va, hein? C'est faisable. Allez, soufflez. On se prend. Hop. 5 secondes de pause et on va repartir pour une séquence de 40 secondes. On y va? On est parti dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Si vous voulez mobiliser, n'hésitez pas. Ici, épaules, mains opposées. Ou allongez segments opposés. Ça, c'est plus difficile. Et je peux également monter et descendre sur les avant-bras. En contrôlant le dos, absolument. Allez, encore 15 secondes. Ou alors, twist des hanches à droite et à gauche. Celui-là, si vous avez mal au dos, évitez. Et relâche. On souffle, on étire les bras vers l'avant. On est reparti, dernière séquence. Allez, on se motive. Go, on y va. Faites ce que vous voulez, active ou statique. Assurez toujours la posture, ne lâchez rien. Protégez le dos. L'exercice est fait pour le renforcer, surtout pas pour se faire de mal. Donc respectez absolument les principes du gainage. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. On étire. Et on déroule doucement. On va croiser les doigts, monter vers le plafond, étirer vers l'arrière. Et relâche. Encore une fois, croise les doigts. Je peux aussi rajouter ce moment-là où en croisant, je viens arrondir le haut du corps et dérouler, remonter. Ça fait du bien aussi au dos et vers l'arrière. On passe aux assouplissements. On va rester assis, puisqu'on est assis. On va venir faire la position ici du S. Et on va pousser. Donc la jambe qui est la plus avancée, je vais poser la main à côté. Et la jambe qui est le plus à l'arrière, de ce côté-là, la main va s'élever en diagonale. Je peux pousser ici avec l'intérieur de la main pour étirer encore davantage. Allez. Et relâche doucement. Encore une fois, inspire. Et souffle. Allez, cherchez l'en. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez, plongez. Relâchez. Inspire. Souffle, pousse avec la main vers le sol pour écarter, éloigner, pousser l'épaule et je plonge. Et relâchez. On va rester dans cette position assis tailleur. Faites comme si vous aviez un fil qui vous grandissait vers le plafond. On va inspirer et souffler. Rotation du buste vers la gauche. Je mets de la main droite à l'extérieur du genou gauche pour pivoter. On revient de face, inspire et souffle, rotation de l'autre côté. On revient encore une fois de face, inspire et rotation à gauche, expire.
Reviens en face, inspire. Et souffle. Rotation de l'autre côté. Et reviens de face. On garde la posture, dos bien droit. On va venir écraser le coude contre soi sans avancer l'épaule. Moi, je reste bien droite, alignée. Et je ramène le biceps contre moi. On ramène coude vers le plafond. On aligne avec la colonne et on descend la main dans le dos. Donc, tous les travails de mobilité que l'on fait, sur lesquels j'insiste pour garder sa souplesse, ont vraiment pour objectif d'être en pleine position, en pleine possession, pardon, de ses capacités physiques. Dans nos exercices, en fait, l'objectif, c'est de développer le contrôle moteur du corps et de lui faire faire ce qu'on a envie qu'il fasse, en fait. Vraiment de contrôler le corps. Voilà, de ne pas être bloqué dans un mouvement au moment où on a envie de faire ce mouvement. Il faut garder cette mobilité au maximum. Et plus on avance dans l'âge, plus on perd cette mobilité. Et si on ne s'entraîne pas, si on ne fait pas d'activité physique, si on ne se mobilise pas et qu'on ne fait pas ce genre d'exercice, on va vite être raide et avec beaucoup moins de possibilités au niveau du corps et du mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment de garder l'amplitude du geste pour effectuer n'importe quel mouvement dans n'importe quelle situation et au moment voulu. Allez, ici on pousse. Et poussez encore vers l'extérieur. Et relâchez. On va étendre les bras sur les côtés. Mettre maintenant l'intérieur des mains vers le plafond. Et je vais pivoter en enroulant les épaules. Arrondir le dos. Inspirez. On se grandit. Et relâchez. Arrondissez, pivotez les paumes de main vers le plafond. De l'autre côté, encore une fois, inspire et on étire toujours vers les côtés. Inspire, on se grandit. Et souffle, on arrondit et on enroule les épaules. Et on pousse encore sur les côtés. Et je relâche. Allez, jambes tendues vers l'avant, jambes fléchies aussi vers l'avant. On se grandit, on inspire, on monte la main du côté de la jambe fléchie. Et je souffle, je descends. On relâche, on se grandit encore, inspire, et souffle, descend. Relâchez, on change de jambe, inspirez, grandissez-vous, et soufflez. Encore une fois, inspire, et souffle, relâche. Et je reviens. On fléchit. Ici, vers l'avant, on croise la cisailleur. Et avec les mains, on va pousser vers l'avant pour venir poser genoux au sol. Plonger les mains vers l'avant. Étirer encore le dos. Et je ramène. Ventre au sol. On se redresse. Centre lombaire. Plante d'orteil. Pousse les fesses vers l'arrière. Vous devez avoir un étirement léger sur toute la chaîne postérieure des jambes. Dos bien droit, bras tendus, tête à l'intérieur des bras au mieux. Et je ramène. Jambe droite à l'extérieur des deux mains, alignée avec celle-ci. On pousse la hanche vers le sol. On regarde devant soi. Et remonte. Main gauche, étire vers le plafond. Et souffle, pose de l'autre côté. Et pose, pose genou au sol, redresse le buste, pousse le bassin vers l'avant. On étire le psoas. On plonge les mains vers le plafond. Allez, étirez, étirez, grandissez-vous. Et relâchez, soufflez, écartez, pivotez sur le côté, allez chercher vers l'arrière. Et je repasse vers l'avant, poussez en diagonale,
Vous devez sentir ici que ça étire, ça se rallonge. C'est très bien, vous libérez bien le dos, là, les lombaires, ça fait du bien. Et je pose main au sol. Planche, contre-sol. On se redresse, plante orteil. Pousse les fesses vers l'arrière et relâche. Avance l'autre jambe. Descends la hanche vers le sol. On peut poser le genou et relâcher la pointe de pied si vous voulez. Et on monte main vers le plafond. Et pose l'autre main. Et je pose. On se redresse. On pose le genou au sol si ce n'est pas fait. Poussez le bassin vers l'avant. Je vais chercher très haut. On se grandit, on attire la colonne. Inspirez, soufflez, écartez, poussez sur le côté. Et pivotez. Allez chercher derrière. Et ramenez. Hop, bascule vers l'avant. Étire, plonge, pousse. En diagonale. On pose main au sol, planche, ventre au sol, on se redresse, on plante les orteils, on pousse les fesses vers l'arrière, on va ramener les mains au niveau des pieds, et main droite sur extérieur du pied gauche, je vais remonter la main ici, vers le plafond, et même chose de l'autre côté, main gauche sur extérieur du pied droit. Je remonte vers le plafond encore. Et relâche. On va rechercher vers l'avant. Genou au sol. Assis sur les talons. On étire. Et je vais venir ici. En position du chat. On va arrondir le dos à fond, à fond, à fond. Rentrez le nombril, rentrez la tête. Poussez les épaules vers le haut, arrondissez au maximum. Soufflez. Et je vais sortir la tête. Poussez les fesses légèrement et surtout resserrez les omoplates. Pas de creux lombaires. En fait, attention au dos, n'allez pas jusqu'au bout du creux. En fait, veillez vraiment à protéger le bas du dos. Je sors la tête. Et mouvement opposé. Soufflez. Poussez vers le plafond les épaules, rentrez le nombril. Et relâchez, inspirez. Sortez la tête légèrement, hop, les fesses et resserrez les omoplates. Dernière fois. Soufflez, bloquez, bloquez, bloquez. Soufflez, bloquez, bloquez, bloquez. Et relâchez. Sortez la tête, inspirez, et je relâche. Position neutre, assis talons, on va chercher encore loin devant, et relâche. On pose le haut du crâne sur le tapis, et on va mettre les mains, les bras, le long du corps, complètement relâchés, et dans cette position, vous inspirez, vous soufflez à votre rythme. Vous vous détendez complètement. Vous relâchez tous les muscles. Vous êtes bien, vous ne pensez plus à rien. On va ramener doucement les mains au niveau du visage. On déroule. Déroulez à fond, grandissez-vous, croisez, relevez vers le plafond et poussez sur les côtés. Main au sol, vers l'avant, plantez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Encore, encore, encore. Je ramène main, je déroule et j'inspire. Étire vers le plafond. Et relâche. Encore, inspire. Étire vers le plafond. Et souffle jusqu'au sol en écartant les jambes.
Déroulez. Étirez. Et la séance est terminée. On a passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes bien, que ça vous a mis en forme et que vous allez bien démarrer votre journée pour la rendre le mieux possible. Voilà, on se retrouve ce soir pour le renfo cardio, courbo plus speed, mais n'hésitez pas, vous pouvez venir, vous pouvez passer et l'adapter à votre rythme sans problème. Donc c'est 18h ce soir, sinon demain 11h, même chose, taïso, zen, renforcement, mobilité, tout comme aujourd'hui. Voilà, bah je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me laisser des petits coucous, comme d'habitude, sur le chat. Et puis, sinon, bah, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout. Restez chez vous et bougez comme vous pouvez. Non, merci, bon appétit, c'est ça. Bon appétit, Didier, je sais que tu tiens. Là, ça doit gargouiller, c'est ça, déjà. Oui, super. Monique, merci beaucoup à Sophie, bonjour à tous. Merci à toi, Monique. À ce soir. À ce soir. Véronique, merci, à ce soir. À ce soir, Véronique. Et mon fidèle. Eh bien, c'est très bien, on va passer un bon moment, Sarah, mettez-vous bien, comme vous voulez. Sarah, à ce soir aussi. Génial, Isabelle, porte-toi bien, prends bien soin de toi surtout. Et... Ah oui, Pascal qui est père. Pascal, tout va bien, Pascal. Karine, merci à toi, je suis accro, ton esprit combatif de ma pêche. Ah, merci Karine, Karine au Nico, Karine et Nico, je ne sais pas. Merci. À ce soir. À ce soir, Vincent. Eh ben c'est très bien. Continuez à être régulier sur les cours, surtout abonnez-vous, likez et partagez, diffusez le mouvement au maximum. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, il y a Odile qui dit super séance, merci beaucoup. Et Pascal qui dit merci Sophie, ce soir, bon appétit. À bientôt Odile, à bientôt Pascal.